Salut à tous, Hervé Matou en direct avec Pierre Ménès du Parc des Princes pour ce choc entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Ça fait partie des grosses affiches de la saison. Hein. Oui, avec une équipe de Monaco qui est toujours à l'aise dans ce stade. C'est peut-être parce qu'il y a Prince dedans. Ça va être ça, ouais. Voilà, mais le PSG a toujours eu beaucoup de mal à battre Monaco au Parc. Le Paris Saint-Germain qui est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en championnat cette saison. Ils sont très dangereux, vraiment. On verra si ça se vérifie encore aujourd'hui. En tout cas, on prend du plaisir à voir cette équipe déployer son jeu d'attaque. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Cette équipe, on sait qu'elle aime bien asphyxier ses adversaires. Dès qu'ils vont toucher la balle, ils vont avoir plusieurs joueurs sur le dos. Ouais, comme tu dis, elle mise beaucoup sur la possession du ballon, donc sur la récupération aussi. Sans ballon, elle ne peut pas mettre son jeu en place. Les hostilités qui commencent enfin entre Parisiens et Monégasques. Ouais, on attend beaucoup de ce match. Cavani, Neymar. C'est un privilège hein, de voir jouer Neymar quand même. Lui il me fait rêver parce qu'il fait des trucs avec le ballon que d'autres n'arrivent même pas à imaginer. La frappe de Neymar. Non, sans problème pour le gardien. Dani Alves. André Di Maria. Neymar. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Ouais, c'est dégagé. Et ce sera un corner. Part bien ce corner de Di Maria, une action qui ne donne rien. Bernat. Marco Verratti. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Virez Silibé. Ballon qui a été dévié, ce sera une touche. Adrien Silva. C'est ce que Fabregas. Gelson. Ça part au premier poteau. C'est dégagé par Pascal Kimpembe. Marco Verratti. Bernat. Mbappé. Nana. Une, deux. Allez, il peut faire un truc intéressant. Là, il y a du soutien. Marquinhos. Oh, ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent. Ouais, quand même. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Pas vraiment chercher la surface sur ce corner. Edinson Cavani. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Oh, le bel arrêt. Ouais, excellent. Très très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire. Kylian Mbappé. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Marco Verratti.
Dani Alves. André Di Maria. André Di Maria, il a du soutien. Attention, Manel Kimpembe. Allez, on va jouer de l'autre côté. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment. Ça reste très bas. Neymar. Alexander Golovin. Ouais, il ne s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Di Maria. Le tir de Di Maria. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Thiago Silva. Manel Kimpembe. André Di Maria. Est-ce Monaco contre Paris Saint-Germain? C'est l'une des belles affiches des années 2010 hein, dans le championnat de France. Ouais, les Monégasques qui sont vraiment bien revenus dans le coup après leur descente. Ils ont même privé les Parisiens d'un cinquième titre consécutif en 2017 après une saison exceptionnelle et grâce surtout à une attaque de feu. Marcos Lopez. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Le PSG qui est accroché pour le moment, alors que la mi-temps n'est plus très loin. Très mal donné, hein, ce ballon. Allez, ce Monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. Gelson. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Monaco qui obtient un corner. Le corner, le ballon qui arrive. Allez, l'occasion peut-être de mener. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Monaco va bénéficier du corner. Di Maria, rapidité, vivacité, technicité. J'ai résumé à peu près les qualités de Dandrel Di Maria, hein, Pierre. Il a toutes les qualités qui sont chez lui très au-dessus de la moyenne. Maintenant, bon, faut qu'il soit aussi un petit peu plus performant dans les très grands matchs. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Alexander Golovin. Thiago Silva qui dégage. Dani Alves. André Di Maria. Neymar. Di Maria. Edinson Cavani. Bernat. Marquinhos. Thiago Silva. La longue transversale vers un partenaire. Cesc Fabregas. Radamel Falcao. Marco Verratti. Marquinhos. Ah, ça arrive parfois, l'arbitre. Marcos Lopez. L'arbitre a décompté 3 minutes hein, de temps additionnel. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, ça va être compliqué. Il est bien placé, il peut centrer. Bernat.
Marquinhos. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Les joueurs locaux qui sont tenus en échec par leurs adversaires. On a vu une équipe moins efficace que d'habitude. Rien de marqué pour l'instant, mais il reste encore une mi-temps pour le faire. Les Parisiens et les Monégasques qui reviennent pour la deuxième période. Et vraiment, tout reste à faire dans ce match. Pour l'instant, c'est super équilibré. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Mbappé. Avantage fait signer l'arbitre, ça joue. Oh, le vilain tacle. Oh, l'arbitre va sévir, à mon avis. Et le voilà averti maintenant. Bah, c'est mérité, hein. D'ailleurs, le joueur ne bronche même pas. On revoit cette intervention défensive irrégulière. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Même s'il n'est pas super bien placé, ce coup franc, il faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Allez, le coup franc dans la boîte. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Cesc Fabregas. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant. Bien récupéré, bien joué. Encore un bon ballon. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. C'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture, je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Frappe chez Neymar, c'est avant tout cette aisance technique, hein, cette facilité. Oui, mais bon, il joue à gauche, mais son pied fort reste le droit, évidemment, pour rentrer à l'intérieur, dans cette grande mode mondiale, le faux pied. Mais il est capable de faire des dribbles, hein, incroyables. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Il passe dans les pieds qui s'enchaînent. Neymar, entraîneur de l'équipe. PSG qui obtient un coup franc après cette faute. Il va y avoir du mouvement dans l'équipe parisienne, Pierre. Avec la sortie de Marquinhos, Hervé. Un bon coup à jouer sur ce coup franc. En jouant dans la surface, ce sera un bon début. Il va chercher un partenaire loin devant. Ouais, ça part très loin avec ce dégagement. Gelson Martins. Falcao. Adrien Silva. Radamel Falcao, Alexander Golovin, Marco Lopez. Ouais, la frappe. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. On a atteint l'heure de jeu. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Oh, il n'est pas seul, il y a du soutien. Il centre vers Cavani. Le dégagement pour éloigner le danger. Cesc Fabregas. Alexander Golovin. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Daniel Kimpembe. Paredes. Bernat. Kylian Mbappé. Neymar. Kylian Mbappé. Oh, attention, on est dans la surface. Adrien Silva. Viril Sidibé. Alexander Golovin. Allez, c'est la coupe qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. Gelson Martins. Le gardien qui s'interpose sur cette tête. Il reste exactement 20 minutes à jouer.
Marco Verratti. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Allez, c'est Monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. Marco Lopez. Alexander Golovin. Il centre vers Falcao. Ouais, était bien parti le centre, mais il n'y avait personne. Cesc Fabregas. La passe aérienne, pas mal. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Falcao, la frappe. Oh, il y est ! Oh, il suffisait d'être patient, mon petit Pierrot. Ah, et puis la patience, c'est pas mon fort, mais c'est celle du buteur. Le gardien qui ne peut que détourner le ballon dans ses buts. On revoit ce but sous un autre angle. Et c'est l'AS Monaco qui mène. Marco Verratti, Thiago Silva, Di Maria, Marco Verratti. Monaco qui semble bien décidé à ne pas laisser filer cette victoire de prestige face au PSG. Ouais, les Parisiens on semble bien décidé à réagir, mais attention au contre-monégasque aussi. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Adrien Silva. Alexander Golovin. Ce sera finalement pour Dani Alves. Ouais, il lui remet. Ouais, dangereux la déviation. Ouais, sans doute une. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas cadré. Ouais, quelle ambiance, quelle ambiance. Quand les supporters viennent ici, c'est vraiment pour encourager leur équipe. Ils aiment le foot. Et ça s'entend. Et nous, on aime le foot quand c'est comme ça. Alexander Golovin. Direct Sidibé. Johnson Martins. On s'approche de la zone de vérité. Oh, il a sauvé une occasion importante. C'est dégagé par Pascal Kimpembe. Je n'ai plus le choix, c'est maintenant qu'il faut marquer. Non, elle est interceptée cette passe. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Radamel Falcao. Gelson Martins. Ah, le PSG qui va faire un changement. Marco Verratti laisse sa place à Christopher Nkunku, milieu de terrain solide, qui doit confirmer évidemment. Gelson Martins. Ah, bon centre, mais la défense est sereine. Allez, sans doute la dernière opportunité, il ne faut pas la rater. Et on a dégagé pour écarter le danger. Thiago Silva. Kunku. Neymar. Cavani. Leandro Paredes. Cesc Fabregas. Et ce sont donc les Monégasques qui s'imposent dans cette rencontre. Le coup de sifflet final à l'instant de l'arbitre. C'est une défaite qui va faire mal, hein, surtout face à un grand rival. Le PSG qui était dans un jour sans, hein, visiblement. On a vu une équipe assez loin de ce qu'elle nous propose d'habitude et qui n'a pas réussi à marquer plus de buts que son adversaire. En même temps, on ne peut pas compter sur ça à chaque fois. Hein.